YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. J'ai beaucoup papoté avant de commencer, donc voilà, on va s'y mettre parce que sinon on va jamais y arriver. Donc nous sommes toujours dans notre petite maison avec Pulcotte et Nathalie, hein, et leurs trois filles, puisque oui, nous avons eu trois femelles pour cette génération, hein. Ouh là là, toi je te... Non. Ah, tu veux faire un câlin au nounours? Mort. Oh, t'es trop choupi. Attendez, je remets un peu du son. Ça, vous allez entendre aussi un petit peu. Attendez, je vais même le mettre le son en plus au plus sur OBS. Ah, il est au... Comment elle s'appelle déjà? Mini. La dernière s'est réveillée. Bon, alors, Pulcotte, c'est toi qui vas y aller. Allez, tu vas te charger de la couche. Bon, alors, nous avons donc trois filles. Qui sont donc Perle, Nuage et Mini. Donc la génération grise sera féminine ou ne sera pas. Je t'ai demandé de dormir en fait, pas de faire la sieste. Parce que bien voilà, il y a un bébé qui pleure et il va pas réveiller l'autre. Elle va pleurer, ils vont pas réveiller l'autre. C'est bien d'avoir une chambre chacun. C'est très bien. Tu peux faire une grimace et tu peux la bercer, voilà. Alors j'espère que Mini aura les yeux bleus. Les cheveux, on s'en fout, parce que de toute façon, on sera obligé de changer. J'ai vu ton com, Marie, qui disait que je faisais que nourrir les gosses. Bah, parce qu'ils demandent à bouffer, en fait. Mais tu sais, des fois, je fais des interactions sociales avec eux, mais je montre que le moment où ils m'énervent, où ils me cassent les pieds, en fait. Donc, c'est au moment où ils ont un truc qui va pas. Mais, j'ai vu. Alors, regardez-moi ce que j'ai fait dans cette petite baraque. J'ai rajouté du parterre. Alors, normalement, c'est... voilà. Hein. Je vais mettre en play normal parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et j'ai fait une petite allée. J'ai fait ça après le live de la dernière fois. Pour ajouter cette micro-pièce. D'ailleurs, j'ai pas mis le... j'ai pas mis le papier peint. Pff, mais c'est pas possible, ça, d'être aussi nul. Pour juste mettre à l'abri les deux pièces, les deux trucs de sport. Voilà. C'est tout con, hein. Mais ça fera le job. Donc c'est juste un petit abri comme ça dans le jardin, à côté de la fusée. Comme ça, vu qu'on avait une terrasse et tout sur l'ancienne maison, là on n'a pas trop la place. Donc j'ai mis un petit truc comme ça pour pouvoir abriter. On s'en fout. Hein. De toute façon, c'est des Sims. Même dans un lit en pleine nature, eux ils sont contents. Donc voilà. Pas... Oh bah, là tu vois, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. Moi j'ai pas dit de nuit à bouffer. Hein. Tu les as nourris au moins trois fois dans l'épisode où Mathis a grandi. Oh là là. Pff, et ben ils ont faim au moins, un demi-bron dans la tronche. Ça les évite de hurler, ça. C'est ça, c'est la technique. C'est parce que t'as pas la technique, Marie. C'est vrai, c'est Mini, je m'étais endormie, j'ai pas pu voter. Oh oui, Shanana. Oh, attendez, j'ai zoomé sur mon truc, moi, n'importe quoi. Trois filles, la vache, courage Pulco. Eh ouais, bah Pulco, il a eu que des spermatozoïdes XX. Ça serait, on en parle la semaine prochaine. Ah ouais, et pourquoi pas après. Hein. C'est un peu beaucoup, tu m'étonnes qu'ils fassent caca H24. Il faut caca parce que c'est des grosses. Alors les amoureux! Comment ça se passe? Vous imaginez, vous parlez à quelqu'un? Ah oui, parce qu'attendez, vous me voyez, il y a ma tronche devant. Il est en train de lui parler. Pulco est en train de parler à Nathalie, et elle est là comme ça. Vous imaginez, vous parlez à quelqu'un et il vous écoute pas, il fait ça. Tu es oh, eh, oh, je t'emmerde ou quoi là? Tu me regardes que je te parle là ou... Quand même. Oh, Adi, hein. Ah oui, c'est vrai, il va bosser, lui. Dans une carrière incroyable. Putain, il travaille pas avant mardi? Et je dois monter les échelons? On va se faire chier, moi je vous le dis direct. Hein. Tiens, tu iras prendre ta douche. La petite Mini, réveille-aille. Tu vas faire la vaisselle. C'est vrai, tu vas réussir à la faire. Ah oui, non, j'allais dire. Ce serait trop bien.
Ce serait miraculeux si tu faisais la vaisselle. Oh punaise, celle-là, elle va hurler aussi dans pas longtemps. Je voulais regarder. Ah bah voilà. Perlout va grandir. Perlouse va grandir! Un gosse de moins à s'occuper. Là, là, là. Ah oui, mince. Viens ici. Prendre une portion. Mais tu veux prendre du truc avarié? Bah, moi, ça m'arrange, hein. Mère indigne que je suis. Ça m'arrange. Oh non, mais Pulco, non. Pulco, laisse la gosse tranquille. Et elle, qu'est-ce qu'elle a? Oh, je sens que ça va être. Elle descend, elle, déjà? Je sais plus. Et hop, viens ici. Pulcote, viens faire à manger. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, les monstresses, là! Pulco, je t'ai dit quoi? Après, il faut être zen dans la vie, hein. Faut être zen avec les gosses, les grosses. Allez, nuages! Eh bien, tu descends de la montagne à cheval. Et j'ai toujours pas mis les meubles de la bonne couleur. Ou ceux-là de la même couleur. Tout va bien. Tout va bien, eh. Ça va, la fille à moustache? Eh, c'est une galère. Hein. J'ai pas trouvé hein, ces moustaches. Elle a cassé la touche. Vas-y, essuie. Essuie, femelle. Oh! Oui, là, là, la couche. Hein? Là, je le vois. Ça va, Marie, là? Il va y avoir assez d'interactions sociales? Tu vas pas sentir la gamine. Elle va pas être trop laissée à elle-même? Je vais pas la rendre obèse? Elle est hyper attentive. Attends. Ah merde! Qu'est-ce que j'ai. Oh punaise. Avec ce truc de cheers là, j'ai carrément encore moins de chat de visible, donc c'est vite relou quoi. Il fait les choses bien quand il veut. Mais va pas manger un truc pourri toi! Il vient de faire à bouffer là! Oh là là. Après si tu veux. Après elle est asiatique, hein, si elle a envie de manger des trucs pourris pour choper un virus. Oh je rigole les enfants, punaise. On peut pas se marrer dans la vie. Des trucs dégueulasses. Allez! J'adore avec leur pyjama. Elles sont trop chaudes. Salut nous! Salut Bubble Town! Comment allez-vous bien? C'est vrai, c'est chelou ce bug avec Pulco et sa carrière car il est censé être directement dans l'espace avec son diplôme. Je sais pas, est-ce qu'il faut pas que j'ai pas fait. Ou j'ai fait un truc qu'il fallait pas, j'en sais rien. Sa mère avec le prof principal. Ah, ça a sauté. De la grande l'année dernière. Oh, arrêtez de parler. Bon bah tant pis. Ça arrête pas de sauter. Je lui parlais. Regardez de haut la porte. Ah oui d'accord, super. Donc Trépunia est parti. Ok, des bisous Trépunia, bientôt. Je loupe plein de trucs parce que la fenêtre, elle est ridicule mon petit. On se croirait sur un téléphone portable. Le coronavirus, c'est le virus de la bière avant tout. Je dois pas saisir la blague mais... C'est pas bien grave. Nathalie, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Nathalie, jolie, 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 jolie. J'ai vu un mariage dans l'air, mais je sais pas qui elle a dit. Oui, il faudrait peut-être que je les marie après. J'avais été une fois sur Sixa, mais il y avait une fête. Ah putain. Et un bar, j'étais scientifique. Ça fait du bien quand ça s'arrête ces bruits-là. Alors, Pulcote, vu que tu vas pas travailler avant un bout de temps, c'est de faire un bébé. Non, c'est bon. Eh, hey, tu vas explorer l'espace, et dans le trou de verre. On va retourner à Sexam. Oh là là, qu'il est sexy. Oh, le cosmonaute. Cosmonaute, astronaute, bitonaute. Regardez-moi ces morphales là. Ah, j'ai peur. C'est que le bruit de la fusée. Alors, toi, cocotte en papier, tu vas aller au pot. Message pour Pulco. Bzzt, Pulco, demande d'intervention. Bzzt. Le commandant Wonder, Wonder a besoin de
son aide. Ah pardon, j'ai du mal. Un satellite en orbite fonctionne mal. Des millions de Sims se plaignent de la mauvaise couverture pour des données de leur téléphone portable. Ils veulent poster des photos de leur nourriture, de leur chaton et de leur message philosophique trouvé dans les biscuits chinois. C'est tellement réaliste. Mais ils ne peuvent pas! Oh mon Dieu, Pulco doit jeter un œil à ce satellite. Mais oui, absolument. Sauve le monde, Pulco. Sauve le monde. Ça va, Nathalie? Tranquille, Emile? Qu'est-ce qu'il a? Faible attention. Tu casses les noisettes. Plein de substances collantes. Pulco arrive au satellite et remarque qu'il est recouvert d'une substance rose claire. Qui c'est qui a eu des pertes, là? Non, les filles, il faut regarder une culotte. C'est pas cool. Je suis désolée. Cette vanne, je ne l'assume pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'on essaye de nettoyer ou on tire dessus? On essaie de nettoyer. Allez, on essaie de nettoyer. Ça, c'est fait. Ah, ouais, maman, je pue! Couche. Bon, et tu manges ou quoi, toi? Il te faut 10 heures pour manger? Étonnamment délicieux. Dis pas qu'il a bouffé la glaire, là. Ah, oh, Pulco s'habille. Parce qu'il était nu. Oh. Ouvre les portes et flotte jusqu'au satellite. En se rapprochant, il remarque qu'il y a des pépites dans la substance. Quoi? Pulco sort sa peau de chamois. Ah oui, sa peau de chamois. Sa peau de chamois. Ouais, je suis magicienne, t'as vu. Sa peau de chamois de l'espace et en récupère un peu. Il les sent et puis les goûte. Oh! Elles sont couvertes de glaçage. Oh! Pulco prend un échantillon pour l'analyser en laboratoire et avoir un encas s'il a un petit creux, puis retourne dans sa fusée. Mon cocotte, tu. Faut que tu. J'ai cru qu'elle était buggée. Oh, c'est un bordel, hein. Il va falloir appeler une. Ouais, on va appeler des femmes de ménage. J'ai envie de dire, on va appeler une femme de ménage récurrente parce que ça commence à devenir n'importe quoi. Un gros lapin! Tout à coup, Pulco voit une grande ombre. Il jette un œil et aperçoit un lapin rose en biscuit flotter dans l'espace. On dirait qu'il regarde un autre satellite et commence à pulvériser du glaçage rose dans sa direction. Ouh, est-ce qu'on doit pulvériser le gros lapin ou est-ce qu'on fuit le gros lapin? Dites-le. Allez! On pulvérise. Alors toi, cocotte, tu vas aller laver ta gamine? Bain de mousse à la petite nuage, la petite chinoise. Qui est pas une chinoise, mais c'est vrai qu'elle avait un petit air asiatique avec cette coupe de cheveux. La semaine dernière, on s'est dit ça. Puis avec des yeux marrons. Les canons à ions, ces canons. Génial! Ces incroyables canons à ions atteignent le bras du lapin en biscuit. Un nouveau bras commence à se régénérer, mais le lapin semble avoir compris la leçon et retourne flotter dans l'espace. Oh bah tranquille, a trouvé des débris spatiaux. Ah bon? C'est quoi? C'est des bouts de gâtal? C'est quoi qui l'a ramené? Bah rien. Bah il a pas vraiment ramené quelque chose, hein? Ouais, il est revenu sain et sauf, mais il va repartir. Allez! Bossa! Buscavida! Allez, salut, hein! Le mec accro à sa fusée, tu sais. Ah là là! Ah, la petite biche, elle va se faire laver les fesses. Ah bah ça. Folie de l'espace, tout à coup! Pulco se sent anxieux et agité. Il a une étrange sensation dans les mains et les pieds, et se sent un peu étourdi. Aurait-il la folie de l'espace? Y aurait-il quelque chose dans le système d'aération? Augmenter la puissance du ventilateur, changer l'épurateur de CO2. Pareil, vous choisissez. On change l'épurateur. Allez, on change l'épurateur. Moi, je voulais zoomer sur la petite là qui se faisait laver les fesses. Pourquoi à chaque fois je fais des challenges et les enfants, ils arrivent au même temps? On regarde là, oh pipette, bichounette, viens, viens là-haut, tu vas te faire laver le cul aussi, ça va te remonter ton, ça va te remonter ton truc. Regarde,
Ah bah, j'ai pas le temps de cliquer. De pire en pire. Merci, le chat. C'est un peu inquiétant. Pulco pensait vraiment que cela l'aiderait. Le prochain symptôme de la folie de l'espace est la paranoïa, ah bah comme sa femme, et la prise de mauvaises décisions, bah comme moi. Pourquoi cette réserve d'air frais n'a-t-elle eu aucun effet bénéfique? Cela doit être un complot. Pulco doit tirer ça au clair immédiatement. Jeter la réserve d'air, ouvrir la réserve d'air pour l'examiner. À vous le chat! Ouvre! Allez, on va ouvrir. Moi aussi, hein, je suis plus pour ouvrir la réserve d'air. Hein. Parce que c'est pas normal, cette histoire. Alors, je voulais que tu... Ouais, bon, bah écoute, va jouer, t'as raison. Toi, tu fais quoi? Elle va aller contempler la coccinelle. T'as une vie palpitante. D'ailleurs, il faudrait qu'on te fasse trouver un job, toi. Suspecte! Il ouvre la réserve d'air et regarde à l'intérieur. Il n'y a rien dedans. Rien du tout! Même pas de l'air. C'est incroyable. C'est très suspect. Il la place alors dans le sas et la jette dans l'espace. Quelques minutes plus tard, il voit une réserve d'air vide flotter près de son hublot. Comment est-elle arrivée là? Est-ce que quelqu'un le suit? Est-ce un appareil pour le mettre sur écoute? La récupérer? La détruire? Pareil, le chat, vous décidez. On la récupère, c'est fini. Oh, tout pitchou, 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 pitchou. Bon, tu montes, toi? Ah, voilà, on n'a pas le temps. Après vérification, bon, Pulco n'a trouvé aucun dispositif de mise sur écoute. Tant mieux, les agents ne semblent pas encore l'avoir repéré. C'est moi, agent Shirley, pour vous servir. Pour l'instant, mais Pulco tient à s'en assurer. Récupérer plus de déchets et examiner de près la réserve d'air. Encore une fois, le chat choisit. Alors, on est plus en l'examination. On va examinacier alors. Bon, dépêche-toi. On aura le temps de rien là. Mince, attendez. Que je clique au moins un minimum. Elle va laver la grande. La perlouse. Allez! Pendant... Oh, punaise, vous avez vu la différence de vie de Pulco qui lui va dans l'espace, il vit des trucs de ouf avec des lapins en gâteau géant qui ont des bras qui repoussent. Et sa femme a fait quoi? Elle fait les bains pour ses gosses. C'est moins fun, hein, d'un coup. Une découverte choquante. Pulco examine la réserve d'air avec son micronoscope. Ah oui. Spécial et voit son numéro de série. Elle provient de sa propre fusée. Waouh, c'est incroyable! Comment est-elle arrivée à l'intérieur? Est-ce qu'on s'approche pour enquêter? Ou est-ce qu'on rentre à la maison? On est en enquête, allez. On enquête. Nathalie est devenue muette. La pédophilie. Perte de mémoire. Bon bah voilà, là c'est fini. Pulco embarque dans sa capsule pour enquêter. Mais quand il en sort, il n'arrive pas à se rappeler de ce qu'il était censé faire. En fait, il s'avère que l'un des symptômes de la folie de l'espace est la perte de mémoire à court terme. Blasé, Pulco rentre tout simplement chez lui. Il va pas aller tout de suite. Je viens d'y penser qu'il faut qu'on avance sur ses compétences et tout et faire aussi son aspiration. Même un petit pulcote. Oh là là! Pulcotron! Il fait... C'est bon, je suis rentré! Ah, il n'y a personne. Allez, gros lard! Qu'est-ce qu'il a? Regardez. Oh, regarde! Oh, je suis choquée! Oh, c'est dingue ce qui m'arrive! Oh là là! Oh! Oh! Réparer, ah, réparer ou améliorer. Est-ce que tu veux bien améliorer le toilette? Ajouter un bidet, c'est tellement pratique. Améliorer. Ah oui, tu vas faire ça. Je pense que là, on aura bien. C'est dans sa compé, dans sa machin. Donc après, comme il va aller travailler, enfin, il travaille pas mon mardi, mais on aura le temps de lui faire faire des trucs. Hein. Du coup, ça va. Mais tu l'as lavé la gosse? Ah oui. Ah. Tu t'en occupes un petit peu parce que je crois qu'elle est. Qu'elle se sent. Bon, après, c'est normal, elle a de la moustache. Qui aimerait un enfant qui a de la moustache à cet âge-là? Personne. Mais bon, ça reste à gosse, quoi, tu vois.
ça va. Ça va, ça va encore. Aujourd'hui, on voit pas trop la stache. Là, on la voit bien, la stache. Tu lui fais quoi? Pourquoi tu... Ah, elle veut jouer. Voilà. Oh, comment ça monte. Bon, elle clignote bientôt, on va pouvoir faire l'anniversaire. Hein. J'adore. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Excusez-moi. Je ferai une petite photo. Ah. J'aime bien. J'aime beaucoup cette animation. Bon, elle a toujours de la moustache, la gosse, mais c'est pas grave. J'aime trop. C'est trop chou. Mais bon, elle aurait été tellement plus belle avec des yeux bleus. Oui. Et alors, j'insiste, je persiste et signe. Voilà, la gosse maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Okia qui a follow, merci beaucoup. Eh, je me souviens plus des alertes, hein. Faut vraiment que je m'y habitue. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. T'as parlé de la faire bosser, alors elle... Elle parle plus. Elle parle plus. Oui, j'avoue. Souvenir de moustache. Bon, alors, elle n'est pas enceinte, hein. Le petit bidou qu'elle a de base, c'est parce que c'est comme ça. Ah mince, il y a Minnie qui pleure. Alors, attendez, on va juste l'apaiser, la bercer, parce que ça veut pas dire qu'à la fin. Moi, je nourris plus mes gosses maintenant. Non, je... Ça va servir à rien, hein. Tu vas voir. Hein. C'est parce qu'à la fin, hein, je le sais. Ah non. Oh, et puis merde, elle casse les pieds. De toute façon, elle va gueuler dans 5 minutes pour avoir faim, quand elle aura faim. Alors, merde. Hein. Jouer à la poupée avec. Voilà, j'ai cliqué et je pensais qu'on pouvait faire avec plusieurs, mais non. Mais non, mais non. Toutou, touloulou. Oh, mais elle est là, elle. Je me demandais où elle était. Est-ce que tu as de la moustache, toi? On avait regardé la semaine dernière, j'en avais pas vu, hein. Elle en a moins. Elle en a. Ça me fait rire. Faut pas grand chose, moi. Je sors une vanne par. Eh, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Des conseils pour choisir un héritier. Non. Non, on choisira. De toute façon, ce sera soit par vote, soit autrement. En général, moi, les héritiers, je fais les voter. Je fais voter mes abonnés. Nuage fait partie des meubles. Ah bah voilà. C'est bon, tu peux, tu t'es. Tu vas gueuler dans 2 minutes, hein, mais bon. Et toi, tu parles... Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Lui, il est encore en train de faire une amélioration. Ah, c'est bien. Maintenant, il va faire la compétence logique. Tu vas... cuisiner un gâtal. Un gâtal blanc. C'est bien. Eh, pour l'instant, ça va. En fait, elle avait pas faim. T'avais peut-être raison, Marie, tu vois. Mais bon, moi je leur donne ce qui... Voilà, ils gueulent. Je m'en occupe après. On verra. Pourquoi des moustaches? Bah parce qu'elle a de la moustache, Perle. Ah bah tiens, elle regueule l'autre. C'est le chaos.
Je suis sous la table. Regardez, regardez! Là, ça se voit pas trop, mais la semaine dernière, on voyait que ça, sa moustache. Là, là, on la voit. Là, on la voit, la moustache. Une fille à moustache, mais écoutez, ça arrive, hein, dans la vraie vie, il y en a aussi, hein, qui en ont. Bon, tu veux quoi, toi? Hé! Hey, tais-toi! Et bouffe! Ah, oh, c'est du bien. Ça fait du bien. Tu fais quoi, toi? Tu veux quoi? Gwen, oh, non, on s'en fout. Attends! Le gâtal. Les bougies. Oui! Les bougies! Maintenant, si tu veux aller au pipi, pas de soucis. Va faire pipi comme un champion. Mais j'en peux plus. Regardez tous les plats dégueulasses qu'il y a partout! Qu'est-ce qu'elle est fatiguée, elle? Viens manger ça si tu veux. Il est 18h! C'est pas vite. J'en peux plus. Ils font jamais la vaisselle, ces gosses. Ces gosses, ces Sims. Toi, tu vas faire ça après. Voilà. Toi, bah, tu vas te prendre une douche parce que tu pues. Puis après, on va inviter les gens ou. Bah, en même temps, il reste qui? Il reste pas beaucoup de monde, hein. Oublie pas la bonne. Ouais, mais toi. Ouais, elle viendra le lundi. Faut déjà qu'ils s'occupent de chacun de leur vie, là. Oh, t'es gros pulco, mais tu me fais du mal. Ne deviens pas comme moi, quand même. C'est quoi déjà? Acheter un service. Donc, voilà. Ça va, on a assez de thunes pour. Voilà. Lundi à 10h05. Ok, très très bien. Tu vas venir là et tu vas faire un événement social. Oh, putain con. Événement social. Anniversaire! Bah, tu te pointes là alors, du coup, toi. Elle aussi? Bah, elle est déjà là. Oh, regardez-moi cette tonne de vaisselle. Même chez moi, ça atteint pas ce niveau. Et j'ai tout le temps raison. Mais regarde, elle avait faim, hein. Donc une fois que tu lui donnes à bouffer la première fois, moi t'es tranquille, hein. Alors, fête d'anniversaire. Nous allons fêter Perle. En même temps, c'est vrai qu'à l'anniversaire de Pulco, il y a personne qui était venu. C'était magnifique. Alors, on va inviter eux. Christophe, Gwen, Laura, Farrar. Tiens, elle a dû se marier. Nuage, ouais, on s'en fout. Emma et Adia. Et Jonathan. On connaît pas les autres enfants que Coquelicot a eu, donc. Faudrait que j'arrive à les trouver. Tout, comme ça vous aurez le plaisir de revoir cette fabuleuse tenue de fête que vous détestez tant. Oh, Pulco, j'ai envie de te relooker. Pourquoi. Mais bouge! Réagit. Il est flippant. Hé, je vais te manger ton âme. Arrête avec les gosses. En fait, c'est parce que voilà, ils pensent faire un truc avec un. Moi, j'aime les enfants. C'est un peu pédophile sur les bords, mais. Ah, regardez comme elle marche. Elle est choupie. Si tu veux, tu peux parler à maman. Parler des jouets. Est-ce que les gens vont venir ou est-ce qu'ils vont encore nous. C'est un style. Hein. Je crois que personne ne va encore une fois venir. En fait, ils vont à l'ancienne maison et se disent bah, ils habitent plus là. Ah non, on a déménagé, hein. Allez, va sur le pot. Non. Non, toi aussi va sur le pot. C'est épuisant. Pulco mort à l'intérieur, c'est ça. Elle a vraiment fait la vaisselle jusqu'au bout, c'est ça. C'est ça, c'est un peu. Bon, bah, personne ne vient, hein, donc c'est magnifique. Très bien. Oh putain.
tout là, toi. Elle a cassé la maison! Et tu sais pas aller au pot! Mais c'est un enfer, ces gosses! Oh, bon sang, bonsoir. Tu vas aller sur le pot à elle, là. Je crois qu'elle est en train de se chier dessus. Eh oui, c'est trop tard! Elle s'est chier dessus! Le bonheur d'avoir des gosses. Le bonheur d'avoir des gosses. Plus le comore de l'intérieur. Bon, tant pis. T'as fini de larguer les amarres, toi aussi, ou pas? Pas encore. Oh non, il y a hors de question. Allez, tu viens là. Maman, papa, vous venez tous là. Allez, on s'en fout, tu vas pas... Toi aussi, tu viens. Hop, tu te démerdes. Je m'en fous. Vous êtes tous là pour l'anniversaire de Perlette. Ouais, Perlette, Perlouse. Tu vas... Qu'est-ce que tu... Arrête. Arrête avec les gosses. Arrête avec les gosses. Ça suffit. Toi, tu t'assois. Allez. Ah, je suis méchante, mais sérieux, c'est chiant. J'aime bien la pousser la chaise en mettant sa main dans le vide. Elle a des pouvoirs de télékinésie. Le sang chaud comme son grand-père. Ah oui, derrière. Ça me fait penser que... ça fait bizarre de voir en décalé mon propre stream. Je vais aller sur les règles, comme ça, parce qu'il faut ajouter les premiers traits. Pour la génération grise, donc je n'ai pas envie de faire des bêtises. Hein, comme ça. Parce que sinon, je vais forcément, à un moment donné, donner un trait. Je vais dire... Oups. Gris. Actif, crasseux, aime la musique. Super. Surtout pour le crasseux. Surtout pour le crasseux, je suis ravie. Ravie, Lily. Alors, on va essayer de... Oui, Nathalie, continue à me casser les pieds, t'as raison. Hein? Voilà, tu gâches toute la photo. Voilà. Ah c'est... Ah oh. Oh la vache. C'est inspecteur gadget. Pulco, c'est inspecteur gadget. Oh, j'ai peur de la tête qu'elle va avoir. Ah bah... Oh. Oh là leur chouquette. Elle a leur chouquette. Bon, les fringues, c'est pas ça, hein, comme d'habitude. Mais elle a l'air chouquette. Alors, en aspiration. Alors, comme on n'a plus les couleurs, moi, je sais pas quelle couleur on... Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en aspiration? Je vais déjà lui mettre un trait. Donc, actif, crasseux et aime la musique. Est-ce que je peux... Ah, je peux. J'ai déjà tout dispo. Hein. Je n'ai pas besoin d'attendre. Bah écoutez, elle, on va la mettre... Non, c'est active. Active, ouais. Je vais la mettre active. Les autres, je mettrai crasseux en premier. Et l'autre, aime la musique en premier. Comme ça fera un peu différent. Perlouse, Perlette, Perlise. Crasseux. Ah mais non, mais je vous parle de l'aspiration. Pas du trait. Dans cette génération, elle doit être culturiste, elle va être sexy. Ouais, ça va pas être joli, hein. Elle échoue pour une fille aux yeux marrons, c'est ça? Tu veux juste de changer ses yeux, quoi. On va passer par le CAS, on va lui changer ses yeux. Et en faire une opération oculaire. Donc, aspiration, qu'est-ce qu'on met? Motricité? Allez, maman grenouille a parlé. Oh, elle est déjà en train de faire sa relou. La vie c'est trop dur quand on a une moustache. Voilà. Bah casse-toi! Hé hey, vos pieux saletés.
Bah loulou, ça, si tu grattes le plastique, ça va pas aller, hein. Pouchou. Bon, il va falloir qu'on change. Bien, puis t'iras nettoyer ta merde assis après. Hein? Merci. Va falloir qu'on change sa chambre. Ouf! Ouf, ce look. Mais. Non, mais prends un morceau, je sais pas, moi! Commence pas! C'est bientôt l'anniversaire de Minnie! Ouais! Ils ont tous décidé de se coucher ou quoi? Mais manger! Elle a fait appeler à table et puis au fait ils vont tous se pioter. Mais c'est quoi ça? C'est un appel au lit? Qu'est-ce que t'as? Oh ça va, hein. Tu vas aller dormir dans la cave. On verra si tu seras pas. Oh non, mais vraiment les yeux marrons, je m'y habitue pas. Hein. Je suis relou, hein, mais c'est pas possible. Hein. Mais elle a l'air mignonne, on dirait que je pense qu'elle va ressembler à sa mère, mais pas avec la bonne couleur d'yeux. Mini Cooper. Mais oui, on peut se faire opérer pour avoir des yeux bleus aujourd'hui. Hein, on va dire ça, hein, servu là. Je mettrai 5000 simfo s'il faut, ça me dérange pas. Hein. Faut vraiment. J'ai vraiment écrit culturisque. Oui, j'ai compris, après, t'inquiète. Hein. C'est un appel au lit. Ils opèrent au laser pour retirer les pigments dans l'iris, c'est irréversible. Ah, c'est vrai? C'est vraiment. C'est réel, vraiment réel, vraiment? Tu veux faire quoi? Déjà, tu vas nettoyer tes conneries. Et oh! Mais qu'est-ce que tu fous? C'est pas ta chambre, ça! Mais c'est quoi, ça? Monde de sale gosse. Bon, après, elle a déjà une chambre sympa. Il suffit juste de changer son lit, en fait. Oh là là, c'est trop dur, la vie. Hein. Ouais, oui, hein. Oh là là, il y a 5 minutes, je foutais de la peinture partout. Je m'éclatais, maintenant je m'éclate plus parce que je dois nettoyer. Hein. C'est la vie, ma petite biche. Hein. Life is life. Nanana. Oh là, attendez. Tac. 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 Voilà, la chambre de Minnie est déjà prête. Est-ce qu'on avait des lits? Il me semble qu'on avait des lits. Mais bon. Alors, on va pouvoir acheter un nouveau lit. Tu veux acheter un nouveau lit, doudou? Oh, mon jeu qui rame, j'ai pas enregistré. Ouf, ça va, tout va bien. Ah, oh, on peut mettre ça! Pas croiser d'autres objets. Oui? Et alors, comme dirait l'autre? Je veux juste voir s'il est gris, bon sang. Donc, c'est parfait. C'est parfait! Tu vas pas me dire, il y a zéro place dans cette chambre? C'est à cause de ça. Ouais, on va réussir à la placer. Voilà. J'ai pas mis mes bébés Move Objects, hein, c'est pour ça. Ouais, voilà. On s'en fout. Ça prend toute la place. Et j'ai envie de dire, c'est pas mal non plus. Très bien. Ouais, je me suis trompée de Sims. Vas-y, va pleurer un coup. Tu pisseras moins. Et tu vas dormir. Alors, et eux là? Comment vous allez-vous? Mais t'es fatigué à ce point, hein, Pulco? Avec ton petit nœud pape? Ah oui, j'ai oublié que c'était toujours l'anniversaire comme la semaine dernière. Hein. Elle va courir. Il y avait celle qui est là, qui est en plein milieu de la cuisine. C'est normal. C'est normal en Russie. Bon bah, tu peux nettoyer, stop.
Quand même, hein. Quand même, hein. Je peux faire du brun au bleu des yeux bleus, c'est un manque de pigments. Oh, je peux avoir les yeux bleus? Servule. Ça m'intéresse ce que tu dis. Mais bon, moi je veux être endormie, hein, total. Hein. Si je suis réveillée, ça va pas être. Oh, je pourrais avoir les yeux bleus. Ah, faites-moi des dons. J'aurai les yeux bleus. Et je pourrais vous faire des belles œillades comme ça. Ah, avec les yeux bleus, ça marche. Pas là comme ça, mais avec les yeux bleus, ça marche. Promis. Hein. Putain, mais il y a des assiettes partout. Hé, Georgette. Bon, il y a d'autres trucs, hein, cocotte. Il y a ça aussi. Hein. L'anniversaire, catastrophe. Ah, ok. Et t'en as encore une, là. Allez. Putain. Bon, j'arrête après, parce que de toute façon, ça sert à rien. Lui, il est en train de courir. Très bien. Les deux, les ma tout est en train de dormir. Allez, on va te coucher. Ouais, médaille de bronze. Mais qu'est-ce qu'on a bien travaillé. Et en plus, on a eu tellement d'invités. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était une fête d'anniversaire absolument incroyable. On est d'accord. Et on est toujours la première journée. Ça fait que 24 heures Sims qu'on a joué. Et ça fait 46 minutes d'enregistrement. Donc en fait, on va pas encore commencer sa carrière. Oh non, mais j'en ai marre. Elle me saoule déjà celle-là. Eh, t'as vraiment intérêt d'être... Toi, tu dois être blonde, toi. Alors, bah, je sais pas. Hein, donc on va pas faire manger parce que... Marie a dit qu'il faut pas leur faire à manger à chaque fois. Ok, Marie. Tu pourrais, fatiguant la fatigue, vivre les yeux marrons. Nah. Faut pas oublier que les yeux bleus sont des faiblesses, c'est un peu un handicap. Ouais, mais tu chopes avec des yeux bleus. Du coup, ça, c'est un avantage. Dieu mon que le chat... Ouais. Miaou, le chat. Le chat dit bonjour à maman. À maman Marie. Mais moi, je pense que c'est la bouffe. Hein. Elle veut bouffer, hein, tout simplement. Hein. On aura la paix une fois qu'elle aura bouffé. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je laissais les gamins. Ils veulent toujours bouffer. Voilà. On a la paix, maintenant. On va se taire 2-3 heures. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Oh, bah non. Ah, c'est ce mini, c'est un tuyau. Ça rentre par là, ça ressort direct au bouée. C'est Transformers, le truc. Hé, hey, tu vas parler, tu vas dire, maintenant tu vas fermer ta grande gueule, sale gosse, ou je te fous à la cave. D'accord. Hé. Hey. Hey. Ah, voilà. Quoi? La Joy-Call? Mais attendez, elle a pas relooké. Mais pourquoi? Oh! Oui. On n'a pas validé ton look, hein, cocotte. Attendez! On n'a pas validé son look à celle-ci, hein. Alors, Quentin, tu racontes quoi? Selon les études, les aubrins sont les meilleurs. C'est pas les plus beaux en tout cas. Alors, voilà sa tête. Oh, quels yeux de pourri. On peut pas les changer. Ah. Alors, les cheveux.
5 000 de factures. Pourquoi tu t'essuies quoi en fait là, Coco? Coco Lastico, oh là là, ouh, la joie de vivre. Ah, t'as pas le temps de manger, toi, j'imagine. Allez, va en cours. Disparais de ma vue. S'en fout. Parce qu'au cas où tu serais héritière, il faudrait que tu rencontres des gamins dès maintenant. Hein. Voilà. Une de moins à s'occuper. Elle s'en va. Allez, bonne journée, Perlouse! C'est que le début de la galère. Elle a disparu! C'est vrai que j'avais mis ça, je l'ai même pas utilisé. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Non, alors, tu vois, t'as une envie, t'as une petite envie de pisser. Donc, je te conseille, c'est d'y aller, en fait. Hein? Et puis après, tu vas me prendre une douche tonifiante parce que tu vas aller faire un peu de sport aussi, hein, pulcote. Tu vas aller te muscler un petit peu, là. Puis tu vas. Bon, t'as faim. Ah, tu vas aller manger du gâtal parce que le gâtal, c'est bon. Je savais qu'il allait choisir le gâtal, hein, t'inquiétez pas. Tac, tac. On va se mettre en condition. Lundi, 9 h du matin. On est des oufs. On se lève à 6 h 30 et puis on va en cours. Hein. Faudrait que ce soit. Oui, tout à fait. Il y a dans le jeu des taches de rousseur déjà. Ben oui! Oui, en fait, Pauline, c'est ça. Il y en a déjà, sauf que quand. Le Sims qui a les taches de rousseur a des enfants. Bah, il y a zéro hérédité, quoi. C'est toi qui dois le rajouter. T'as pas un enfant qui va en avoir et un autre qui. En fait, il n'y en a aucun qui en a. Et ça, c'est dommage. Pareil pour les grains de beauté, en fait, si on va par là. C'est vrai qu'on aurait pu avoir des grains de beauté. Héréditaire. Non, mais c'est bon, on a une femme de ménage. Faudra pas la payer pour rien. Tu me fatigues, Pulco. Allez. Va muscler ton body. Regardez-moi, il est sûr de lui là. Oh oui, t'as vu? T'as vu mon bas de pyjama, mon bas de survêt Moschino? Wesh, je l'ai payé 500 balles. Wow. Ah, la femme de ménage! Elle fait partie du monde alien, celle-ci! Il marquait domestique, c'était pas. Ça a toujours été domestique. Hein. Oh la vache, puis elle a les sourcils verts, les yeux rouges. Mon Dieu! Ah, c'est spécial, hein. Il faudrait vraiment que j'enlève le CC qui fait ça. J'en ai quelques-uns. Mais bon. Parce que là, elle va pas faire grand-chose, hein. On a tout débarrassé. Faire les pots et puis après faire c'est bon pour moi, j'ai fini pour aujourd'hui, je m'en vais. Me dira elle va faire une truc de plus. Voilà, elle se casse déjà. Il y avait une assiette là, on allait te la donner. Tristesse. Tu te fous de moi, Pulco? Il veut pas, hein? Ça m'étonnerait que le peu de temps que je te regardais pas, que je suis bête, ouais, c'est ça, que t'as fait ce que je t'ai demandé, hein? Bon, ça, c'est pour le plaisir d'avoir un Sims beau gosse et bien musclé, hein, que je lui fais faire ça. J'ai envie de le relooker. Je pense que entre cet épisode et l'épisode prochain, je relookerai Pulco. Je le ferai de mon côté pour vous faire la surprise. Pour faire un peu plus. Cela, ça allait bien quand il était jeune homme, tu vois. Là, il est père de famille. Il a été dans l'espace. Donc, je voudrais bien le relooker. Bah, Pauline, si les taches de rousseur n'étaient pas héréditaires dans la vraie vie, pourquoi des gens en ont? Parce qu'ils les ont bien eues de quelque part. Ça fait peur. Elle est bizarre. Pour moi, dans le CES, il manque ajout automatique des alliances vagues pour les couples fiancés mariés. Ah oui. Il a toujours ses boucles d'oreilles, ça me stresse. Ah!
Je les enlèverai relooking alors. Mon pull-cote. Merde, il y a Minnie qui pleure. Bon. Je l'ai prise en flag là, Nathalie. Elle a fait. Ouh, elle me regarde pas. C'est bon, je peux la frapper, la gosse? Ouais, vas-y, hein. Moi, je veux bien que tu la frappes, hein. Oh, putain. Mais, hé! C'est sérieux! Elle va devant, elle s'en occupe sans savoir ce qu'elle fait. Ouh. Ça me stresse. Je me suis jamais posé la question. Bah, c'est comme les yeux bleus ou les yeux marrons, c'est forcément héréditaire. Ou alors, c'est qu'il y a un bug dans le code génétique, tu vois. Enfin, je voudrais pas qu'on dise, ouais, n'importe quoi, tu dis de la merde. Oh là 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 là, les gosses qui pleurent. C'est pas mon kiff. Dans le jeu ou dans la vraie vie? Est-ce qu'il continue à courir, lui? Ouais, ça va. J'ai un petit loulou qui va dans la salle. C'est avec ta parabole, loulou, tu devrais savoir où tu vas, hein? Oh, pauvre chéri. Des fesses de pull-cote! Allez! Est-ce qu'il faut que tu retournes dans l'espace? Je sais pas s'il a perdu du poids ou quoi, mais. Fitness. Niveau 5. Bon, heureusement qu'on est bien avancé quand même en physiologie, qu'on a fini. Bricolage, on est au niveau 8. Et c'est la logique qu'il faut continuer à avancer hein, pour son aspiration. Atteindre le niveau 10. Est-ce que c'est la dernière. Ah, on est déjà la dernière! Oh, bah quand tranquille, Emile. Oh, ça a l'air dur. Ça a l'air dur, Pulco! Ah bah ouais, mais il y a eu du relâchement ces derniers temps, hein. Eh ouais. Allez. Salut Stéphie, comment ça va? Certaines caractéristiques physiques sont pas héréditaires, mais proviennent de mutations génétiques. Typiquement les cheveux roux. Ah, et pourtant c'est la tellement la plus belle couleur du monde. Oh punaise. Ça va, Louche? T'as trouvé la sortie? Oh punaise, il se cogne partout dès qu'il m'en. Oh bébé. Bon alors, tu es rentré à la maison. Projet scolaire, super, je suis ravie. Projet scolaire pour Perlouse, mais. Tu vas faire quoi? Non, tu ne demandes pas conseil. Non, ouais. On va mettre le projet scolaire dans la cuisine parce qu'il y a de la place. Et tu vas travailler soigneusement. Elle fait rien de sa vie. Super, elle va venir t'aider. Voilà. Tac. Oh, il y en a une qui perd ses contrôles des émotions. Demander d'aide pour le projet. Voilà. Alors, toi, ah bah toi t'as la dalle, d'accord. C'est pour ça que tu pètes un câble en fait. J'avais pas vu. Bah tu vas venir chercher à manger. Ou alors, non, je vais pour aller plus vite, je vais lui donner à manger. Alors, on va pas lui donner un gâteau parce que sinon elle va péter un câble. On sait hein que c'est les bambins les gâteaux, c'est une horreur. Hop! Eh bien, je peux remettre en bas maintenant. J'adore qu'il travaille le truc dans la cuisine, c'est absolument normal. Qu'est-ce. Non! Pulco! Pulco? Non. Tu vas refaire un petit tour dans l'espace, allez. Il a commencé à monter les escaliers, donc il faut qu'il les redescende. Tout ça, tout ça. Dès qu'il capte pas la 5G, pas encore. Cible de ce challenge. Salut Poupouch! C'est le Notso Berry. Je sais pas si tu connais pas challenge Notso Berry. C'est une sorte de legacy sur 10 générations et t'as des objectifs à atteindre pour chaque génération. Et en plus, c'est associé à une couleur en fait. Donc là, on a Pulco qui est la génération jaune. Et il doit être astronaute, atteindre niveau 10 de la carrière, avoir des compétences au niveau 10, tout ça, machin. Et puis après, ses enfants qui sont de la génération grise auront d'autres objectifs. Astéroïde en vue. Un astéroïde arrive à toute vitesse vers la planète. Que va faire Pulco? Tenter de le pulvériser, le bloquer avec sa fusée.
Je vous atteins. On pulvérise 1-1. Allez, go. Voilà, en train de manger. Et elle pue. Allez. Ah bah dis donc, j'ai l'odeur et le visuel, moi. Réussite ! L'astéroïde explose en une multitude de fragments qui brûlent dans l'atmosphère sans présenter de danger. Pulco réussit à récupérer quelques fragments. Oh, super Pulco ! Une pierre spatiale ! Trop bien ! Une pierre spatiale, c'est quoi ? Ah, c'est ça ? Mais c'est affreux ! C'est moche ! Le revoilà. Le héros Pulco, le héros. Héros, le Pulco. Tu vas faire ça. Et après, tu sais quoi, tu vas faire de la logique parce que... Voilà, il faut... Toi, t'as fini? Ah ouais, non, t'es encore avec le sujet. Ah, oh, punaise. Enfin, le sujet. Cocotte, qu'est-ce que tu pourrais faire bah oui, à part pleurer. Tu peux toujours pas aller aux toilettes? Oh, mais ouais, mais t'es... Tu peux la réparer toi-même. Tu parles à qui? À ton ami imaginaire? Je ne sais pas. Cette gamine est folle. Oui, je sais que t'as envie d'aller aux toilettes et de te laver. Je le sais. Bon, Pulco, tu vas venir parce que là, ça plus rien ne va. Tu vas, voilà, et tu vas donner un bain nuage aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est la seule bambine. J'ai dit, oh, bah dis donc, il me propose des trucs spécialement pour elle, mais en fait, c'est normal. Explorer l'espace, bah oui. Parce que les deux là, c'est très très lent. Hein. Bon, arrêtez de discuter, là. On travaille. Les bavardages, ça ne va pas dans cette classe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Re-Céline, Tyrion trop mimi. Ah, vous l'avez vu passer? J'ai pas fait attention. Elle devient sénile déjà. Qui ça? Ah, très bien. Ça y est, elle a compétence 2. Magnifique. Tu vas pouvoir mettre dans l'inventaire, tu vas pouvoir faire toute ta vie après. Et toi, maintenant que tu as servi à pas grand chose. Ah, super. Bah, tu lui donneras pas le bain. Bon, de toute façon, c'était... voilà. En vrai... Ça, c'est une annulée, c'est magnifique. C'est vachement quelque chose. Tu feras ça et tu y retourneras. Jouer aux échecs. Bon, on va toujours pas commencer sa carrière. J'en ai... Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu pour faire un jour de carrière ou on s'arrête là? Pour le live. Crac crac dans la furée. Dans la furée. Dans la furée. Dans la fusée. Ouais. C'est pas déjà fait? On n'a pas déjà fait la craquer dans la fusée? Si, on l'a fait en plus. Allez, Pulco. On s'en fout, elle va apprendre toute seule, c'est bon. Quoi? Quoi? Pourquoi? Et toi, reviens là! Hop, bain de mousse. Fais tes devoirs, là, de femme. Au foyer, évidemment. Et tu feras ça. Mais oui, ils ont quoi? Ils sont buggés là. Je t'ai dit toi de, je t'ai donné une liste. C'est incroyable. J'en peux plus. Faut leur faire demander 15 fois la même chose pour que ça soit pris en compte. C'est incredible! On continue? Ah bah ça, je m'en doutais que vous allez dire ça. Moi, je vote pour continuer, j'ai tout loupé. Oh! Dans le bain remous. Il n'y a pas de bain remous encore. Re-Lisa! On n'a pas de bain remous dans cette maison. Parce que là, on a fait quoi? On a fait que s'occuper des gosses. Aller dans la fusée, quoi. Pas... Voilà. Voilà. Et comme il commence à bosser demain, le mardi. On n'est pas prêt d'avoir une augmentation tout de suite. Hein. Ça, vraiment, il va crever. On va pas y arriver. Hein. J'aurai pas la carrière niveau 10. Hein. Merci l'université. Hein. Merci les Sims. T'as
T'as fini? Ah oui, elle a été lavée, elle est contente. Elle va jouer avec son papillon dans la chambre de sa sœur. Oh, purée! Toi, ça te suffit pas? Te faire engueuler une fois? Tu nettoies tout de suite? Saleté, Eva. Et tu feras tes devoirs, tiens, pour la peine. Hop! Je sais, elle a fait son truc, mais je m'en fous, elle fera ses devoirs en plus. Pour déconner, non? Avec moi, tu rigoles pas. De ne pas être actif, je joue. Ah, y a pas de soucis, t'as tout. Oh, pas de soucis. Bon, alors toi, niveau 6, hein. D'ailleurs, il doit avoir quoi? Compétences logiques et fitness pour sa ah, pour son boulot, donc c'est nickel. Ah, donc le sport, finalement, n'est pas trop con pour... Ouais? Mais t'avais pas mangé, toi, déjà? Ils me fatiguent. Ils font jamais ce qu'il faut. Tiens, tu mangeras ça. Oui, ça traîne par terre, c'est pas grave. Le sol est propre, il y a une femme de ménage qui est passée. Le sol est propre. Oh non! Allez, je m'en fous, je fais à ma méthode. Hop. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Ils sont bien nourris, mes gamins, au moins. Chez moi. Oh, c'est l'anniversaire de Minnie! Est-ce que le temps peut passer vite? Une petite fille aux yeux bleus! Ce serait merveilleux! Je suis aussi en même temps, mais on continue un peu. Marie qui joue en même temps aussi que mon live! C'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais... Mais tu viens de manger aussi, mais vous me cassez les pieds, et puis après t'iras te coucher. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Elle se balade. Elle se balade, hétéroclite. Et toi aussi, tu vas te bouffer. Salut Miss Licorne, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi. Va. Mon Dieu, ce bug avec les bambins, c'est horrible. Ah oui, bah, tiens, va dormir, tu me foutras la paix. Genre les qui adorent faire des gosses dans les Sims parce que... Ah! Oh! Je les aime bien que quand ils sont ados. Et encore quand ils n'ont pas des états d'âme. Non, mais après, c'est le jeu, c'est rigolo, quoi. Mais c'est vrai que ça a tendance des fois à me légèrement me tendre les nerfs. Tire à pisser, toi. Ouais. Mon pull-cote! Ça booste ou pas là? On va arriver au niveau 7? C'est bien. Ça c'est cool. Bah, je regarde pas la bonne fenêtre, tout va bien. Ouais, on y est bien. Maintenant elle se met à faire le ménage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une femme de ménage qui vient. Donc elle se dit, oh oui, bah si on a déjà appelé une femme de ménage, c'est vraiment parce que je le faisais pas. Donc maintenant elle le fait. Elle se dit, on va faire des économies. Oui! Niveau 7! Braval! Pulcal! Mais toi, je t'ai dit d'aller te coucher, non? Il est 1h du mat. D'accord, tout va bien. Bah, c'est encore ma connasse de voisine qui gueule, hein, dans les couloirs, bien sûr. Comme si de rien n'était. Oh bah, elle est chez elle, partout, hein. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, tu me saoules. Qu'est-ce que c'est, babillé? Et une sieste. Allez. Ouais, comme ça, tu te tais. J'ai pas de patience avec les gamins. Non, toi, non, toi, tu me saoules aussi. Punaise, c'est pas possible. Oh. Bon, heureusement qu'il travaille pas tôt le matin, Pulcal, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Salut, Miss Licorne. Ou de l'énoïe. Un coup de baguette magique et un chat trop mignon. Ou quoi? Quel chat trop mignon? Parlez toujours des miens ou pas? Vas-y, Amicicorn, si t'as une question, pose-la. Après, peut-être que j'y répondrai si j'en ai envie. À quelle heure elle est née, elle, déjà? Parce que ça... Elle va popper dans pas longtemps, je pense. Bravo! Allez, dodo! Oh putain! Oh la vache! J'ai pas eu le temps de le voir monter dans le lit.
qui dormait déjà. Ah! Bah la voilà, la troisième râleuse. Mais qu'est-ce que tu fous, toi, debout? Va te pieuter, connasse! Déjà, toi aussi, va te pieuter, je m'en fous de ta vie, toi tu viens là. Tu ramènes ton cul. Oh, c'est pas vrai. Eh, je pars 10 secondes, ça y est, c'est la Bérésina ici, casse toutes les pieds là. Toutes ces connasses. Toutes ces pisseuses. C'est bon? Viens, donne-lui à bouffer. Ça fermera sa tronche plus longtemps. Qu'est-ce que tu vas pas regarder la télé, non? C'est vrai qu'il est quoi? 6h du mat, tu vas te coucher. Toi, qu'est-ce que tu fous? Va te coucher, madame! Je m'en fous qu'elle ait faim. Je m'en fous. Oui, je suis violente avec mes gosses. Et alors? Quand je rage, ça vous fait rire. Ah, le cours de perle arrive dans 1 heure. C'est bien, Perloute. Allez, hop. Tu vas prendre une douche parce que peut-être que tu pues aussi un peu. Ce qu'il fait, lui. Ça va. Mais on a une fucking femme de ménage. On n'a pas payé les factures. Ok. Si, là. Non mais c'est incroyable, vous êtes obligé de les poser là et de traverser toute la baraque pour poser une putain d'assiette quoi, c'est... Je ne comprends pas. I don't understand. Oh ouais, d'accord. J'avais oublié carrément qu'il y avait le barbuck ici moi. Oh ah là, la vache. Oh, mais... Codage des Sims, c'est merveilleux. Je devrais faire une allée qui va jusque faire là un petit truc en fait. Ce sera peut-être mieux. Perle part à l'école. Ouais. Ah, la table basse. En fait, ça sert à rien d'avoir des plans de cuisine ou une table comme ça parce qu'ils ne posent que sur la table basse. Bon, moi, elle aura été utile. Hein, elle aura pas fait à bouffer pour rien. C'est magnifique. A plus, Tatou. Comment vous avez fait pour mettre le bébé dans le berceau CC? Bah, parce que c'est pas un CC. Salut, Candy. Salut, Ouh la punaise. Monsieur Diaris Prod, peut-être? Je sais pas comment on dit ton pseudo. Tu streams souvent? Oui, on va dire. Merci, Bermude, pour le follow et bienvenue à toi. Mais qu'elle vienne. Mais bouge ton cul. Ah là 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 là, est-ce que ça m'épuise? Et toi? Non. Toi, tu vas te faire des amis. Voilà. Allez! Non, on a une famille de ménage qui arrive. Ouais, bah sur la table basse, t'as raison, comme d'habitude. Allez! Nuage! Si t'es pas sage! Oh là-bas, la femme de ménage! Tira à la cave! Voilà, on va te faire la gogole. Et merci Polygon P Official Channel pour l'abonnement sur YouTube! Donc je stream souvent, je stream au moins tous les jeudis pour Notre Sobéry, ou presque. Le week-end ça arrive, et puis des fois aussi genre mardi j'ai streamé. Ça relativement souvent, ouais, 3-4 fois dans la semaine, à peu près. À peu près. Oh mince, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Ça va, Nuage? Mange tes fruits au lieu de les foutre partout. Bon, vraiment, il va falloir qu'on lui trouve une carrière à elle, à Nathalie. Je sais plus ce qu'on avait dit. Si on avait dit quelque chose déjà. Oh, regardez, sa réputation est remontée. Elle avait une sale réputation quand on l'a eue à la maison. Mais ici, qui envoie un texto. Elle est ambitieuse, paranoïaque, froide et sociable. Elle est sociable?
Mais elle est froide et parano. C'est un sacré mélange, ça, quand même. J'avais pas fait gaffe à ça. Lui, il joue. Comme ça, on augmente sa logique. La femme de ménage. Tellement lookée. Ce look, madame. On sait d'où vous venez. Hein. Le travail de Pulcote commence dans une heure. Oh, en plus, elle se téléporte quand je dis qu'elle venait de Sixam. Tu vas aller manger un truc, Pulcote, s'il te plaît. 85 Simflouz. Et Perle a rencontré Philippine, qui a une coupe de garçon. C'est dommage. Et attends que Minnie grandisse. C'est quoi cette femme de ménage? Je n'ai pas prête, elle m'a choquée. Elle vient de Sixam, la femme de ménage. Elle est un peu flippante, je te l'accorde. On l'avait déjà vu passer, donc on sait qu'elle était comme ça, mais... Nuage de la cave. Sinon, vous savez comment on fait pour mettre un bébé dans un berceau CC? Je sais pas. Le seul CC que j'avais, que j'ai voulu utiliser dans le Decade notamment, n'avait pas fonctionné. Du coup, j'ai fait avec ce que j'avais dans le jeu. Mais j'ai pas de CC construction, j'en ai très très peu. Et j'essaie de pas les utiliser. C'est mignon. Oh, la petite envoie, entre... Merde, oui. Oh, quel look de merde. Non, elle va au boulot. Bah, vas-y. Allez, Pulcote. Travaille dur. Dur comme fer. Mais non, c'est parce que j'ai cliqué sur lui que ça y est, je veux le faire revenir à la maison, hein. Ouais. Tu vas discuter un petit peu. Voilà, ça fait monter. Étudier l'espace. Nous. Ouais. Se détendre. Papa Yabou. Zafo. Bon alors, elle grandit quand, là? Avec ses yeux bleus. Peut-être que j'avais utilisé le berceau vampire, me semble. Ouais, mais au tout début, j'avais essayé avec un CC. Et en fait, je pense qu'il faut un truc spécial pour pouvoir l'utiliser. En fait, je vais pas chercher plus loin, j'ai utilisé le vampire. Maintenant, j'utiliserai que le monde magique parce que je les trouve beaucoup plus beaux. Et niveau 8, compétence éducation quand même. C'est du beau boulot, chère madame. Ah, c'est bien. Non, alors, non, pas de verre d'eau, pas rien. Pas de verre, déjà. L'alcoolisme, c'est fini. J'ai envie que tu fasses du sport, tiens. Tu perds un peu ton bidou. Parce qu'en plus, tu vas le perdre comme ça, parce que c'est magique dans les Sims. Ah, elle est partie où? Oh, pas toute seule. Putain. À peine partie. Quelle gueule. Tant pis, elle va gueuler un moment, moi je vous le dis. Eh, hey, va t'occuper de la... Celle-là, elle est en train de s'époumonner. Alors, formation supplémentaire. Le patron de Pulco lui propose de faire une formation supplémentaire. Que doit-il faire? Bah, faire la formation. Gain de performance moyen, j'espère. Pour avoir une promotion, s'il vous plaît, parce que vu qu'on a perdu tellement de temps pour rien avec ce diplôme de mes fesses. Oh, fait bien que ça s'arrête, hein. Elle est vraiment parano, hein. Ça c'est cas de le dire. T'as pas des devoirs toi au lieu de jouer à la console? Sale bête. Eh, tu feras tes devoirs après. La petite perlouse. Bon bah du coup, c'est vrai qu'on le voit pas au travail parce que ben... Pour le coup... Avec Pepper, on avait une carrière complètement active. Avec Bordeaux, on avait une carrière semi-active. Et avec Pulcote, on n'a pas du tout de carrière active. Qui est mort? Christophe Dubois. Et voilà. Il va être triste pendant 2 jours. Quel bonheur. Donc en fait, c'est vrai, c'est en fait, voilà quoi, la carrière, c'est pas non plus... Non mais va dormir toi. Va te faire une sieste là.
Regardez comme elle est mignonne, elle fait ses devoirs comme il faut, tout ça. C'est bien. Oh! Tu me saoules. Arrête, Pulco, tu le connaissais à peine. C'était ton oncle, mais bon, ça va, quoi. Il y a pire. Tu l'aides pour faire ses devoirs? Ah, oh, c'est choupi! Mais elle a fini. T'es juste arrivée un petit peu trop tard, Nathalie. Mais sinon, vous pouvez parler, genre exprimer son amour, c'est bien, voilà. Tu vois, tu vas lui dire un truc sympa aussi. Une grimace. C'est très sympa. Mais tu peux lui faire de l'éducation? Apprendre à dire, pardon. C'est essentiel dans la vie. Dans les Sims 1, la femme de ménage était un squelette. Peut-être qu'avec des packs, ouais, je sais plus. Je crois qu'il faut placer le berceau ou un autre truc qui doit pouvoir être téléchargé avec le berceau, mais je suis pas sûre. Oui, je pense que c'est ça, il faut un truc en plus. C'est quoi leur histoire? Repoline, t'as loupé quoi? Elle a été à l'école, Minnie est relou, Pulco est au boulot, et son tonton vient de clamser. Donc en fait, il est tristouille, voilà. Pour sa première journée de taf, il voilà. Oh, performance excellente. Si seulement ça pouvait lui avoir une... Ah non, travailler dur, ça marche pas. On va se faire se morfondre, comme ça va baisser son truc là. On va pas avoir le triste pendant 2 jours, peut-être. Tu lui apprends des trucs, du coup? Discuter avec Père. Une journée. Je suis sûre qu'elle n'a pas fait. Apprendre à dire pardon. Je t'ai déjà demandé, en fait, hein, mais bon. C'était sourde. Ça l'a saoulée, peut-être. Mais laisse la gosse tranquille, bon sang! Mais elle t'a rien demandé, hein? Vas-y, va babiller. Ah oui, mais tu babilles, mais tu te casse les pieds. Hein. Franchement, elle me casse les pieds. Hein. Ils font jamais ce que je leur demande. Voilà, c'est pas compliqué. Tu lui demandes d'apprendre à dire pardon à ta fille, mais tu... Voilà. On va la nourrir, la gosse. Tiens, mange dans la gamelle par terre. Mange dans la gamelle, voilà. C'est bien. Bon, la petite dernière n'a toujours pas popé, hein. J'espère que ça va pas tarder, hein. Qu'on voit ses beaux yeux bleus. Ça change pas. C'est ça. Voilà la résolution de conflit. Parce que bon, cette fois-ci, Nathalie et Pulcotte, ils sont plutôt proches de leurs enfants. C'est pas comme Bordeaux, qui lui ne l'était pas. Qui préférait draguer toute la ville plutôt que s'occuper de son propre fils. C'était quand même plus intéressant pour Bordeaux d'aller conquérir les cœurs, pour pas être vulgaire, de la ville, pour devenir président des Sems. Son of a zine. Ah, ça y est, il faut plus qu'il se morfonde là. J'ai baissé, zut. Étudier l'espace, oui, c'est bien. Repas équilibré. Manger de la terre n'est pas bon pour la santé. Si tu fais ça, on va se moquer de toi. Vas-y, c'est amusant de manger de la terre. Elle a dit je m'en fiche. Vous avez entendu? Elle a dit je m'en fiche. Fouchi. Ah, elle a envie de manger burger. Oh, hey, tu vas me donner des envies, toi, saleté. J'ai pas d'argent, moi. Hein. Je peux pas m'acheter des burgers comme ça sur commande. Hein. Enfin, si, justement, sur commande. Mais j'ai pas l'argent quand même. Bichette, tu vas être couchée, nuage. Hop, au pieu. Tu popes quand, toi? Je suis sûre qu'il faut que j'aille te demander dans l'oreille, là. Hé, Minnie, quand est-ce que tu sors de ton berceau? J'ai deux gamines.
Simflouz! Bravo, Alpulcal! Qu'est-ce que t'es sexy! On est dingue de toi! Tu es le plus beau des petits chats! Bon, bah voilà, hein, c'était la première journée de Pulco. Ah, oh, mon papa, il est rentré! Je suis joie, dis donc! Repas du soir, un gâteau au chocolat. En même temps, je serais plutôt d'avis de dire oui, moi aussi, je veux des gâteaux au chocolat. Elle veut manger burger, elle veut manger des cubes. Dis-moi, on a changé le matelas de lit de Bordeaux, de Brodo. Mais c'est carrément pas le même lit, on l'a viré le lit hein, de Bordeaux, de Bordeaux, Brodo, si tu veux. On a changé. Non, parce qu'il avait tellement servi. C'est dommage. Dis-moi, pour les points de chaîne, il est écrit qu'on gagne 10 pour 5 minutes de visionnage, mais j'ai rien gagné depuis le début du live. Refais un refresh chez Anana. Ça m'a fait ça aussi chez Crime. Et en fait, quand j'ai refresh, tous les points sont arrivés. Mais sors! Qu'est-ce qu'elle est chiante, cette gosse. Pulcote. Pulcote, viens ici. Voilà, tu vas te donner des paroles d'encouragement parce que j'ai pas envie que tu sois triste 10 ans. Toi! Non, alors tu vas sûrement pas aller voir ta petite sœur. Tu vas aller aux toilettes. Voilà. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai donné l'action de le faire, cocotte, hein, déjà. Ah! Putain, elle a encore les yeux marrons. Je le vois. Et 1, et 2, et 3, 0, dynamique, super. C'est pas du tout les pires en plus. Ouais, je vois, yeux marrons. Super. Oh, qu'elle est moche! Ah, oh, ça me dégoûte. Oh, t'es pas belle. Allez, va te coucher, t'es moche. Ah non, c'est pas la bonne. Celle-là. Ah, mais elle a pas besoin de dormir. Oh, tiens, on va te prendre tes cubes, on va te les mettre là. Vas-y. En pile. Vas-y. Ok, elle est pas belle. Je suis dégoûtée. Je vais arrêter le challenge là, hein, parce que j'ai pas les enfants que j'aurais voulu avoir. Ça pue, hein, ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai des odeurs des sales odeurs dans le nez, hein, depuis tout à l'heure. Mais c'est quoi ce look là? C'est dégueulasse! C'est bon? Toujours 2 jours? Parti courir. Elle est partie courir. T'as fait tes devoirs, toi? Oui, hein. Oh, ouais, je perds la boule, moi. Ouais, va te coucher, il est 23 h. Allez. Non. Il y a un problème encore avec les lits, hein. Je sens que. Je m'étais déjà énervée dans le Decades. Avec une mise à jour qui avait flingué les lits, bah on y est encore, hein. Voilà. Tout ça pour ça. Bon, après, tu viendras là. Lui. Oh, il est toujours triste. Pardon? Vous venez pour un Ogly to Beauty Legacy Challenge? Et un relooking? Qui êtes-vous? Jérôme Garnier. On ne connaît pas. Nous, si on connaît pas, on n'ouvre pas la porte. Hein. C'est pareil que quand on connaît pas au téléphone. Hein. Je regardais si c'était pas un alien qui était déguisé, mais. Mais non.
Attendez, parce que là, je vais regarder plein de messages. Oh, punaise, ça arrête pas de descendre. Il me prévoit une quiche. La pauvre choupette, petite acharnement sur cette gosse. Oh, non. C'est un mec, hein! Ah, j'ai cru qu'il était en train de rentrer chez nous! Non, ça va. Pulcote! Réveille-toi! Ah! Vous allez niquer un coup, là! Vous allez vous détendre. Elle est partie où, elle? Mais qui c'est? Mais non, mais c'est bon! Mais tu viens de courir, là! Oh, la tristesse. Je suis dégoûtée quand même, on a trois filles, c'est trois fois la même. Laisse ces gosses tranquilles, mais c'est pas possible. Casser les pieds. Non. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 tu ne feras pas. Éclabousser les chiottes. Non, 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 tu ne feras pas. Éclabousser les chiottes, non, 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 tu ne feras pas. Éclabousser les chiottes, non, 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 tu ne feras pas. Éclabousser les chiottes, non, 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 tu ne feras pas. Éclabousser les chiottes. Ouais, au moins, elle a la décence de pas rentrer dans la chambre des parents qui sont en train de faire des crapulades. C'est au moins ça. Bon, je suis extrêmement déçue. Les trois progénitures ont des yeux marrons. C'est vraiment ce que je voulais pas. J'espère qu'on n'ira pas avec les yeux marrons jusqu'à la fin du challenge, parce que là, je vais vachement faire la gueule, hein, je vous le dis direct. Et quand je dis que j'aime pas les yeux marrons, c'est que j'aime pas les yeux marrons. Voilà, on n'aurait jamais dû prendre la Sims de Marie. Hein, c'est comme ça. Oh, les trucs. Les vêtements de Nathalie sont dans le jeu ou pas? Bien sûr, je n'utilise pas de CC pour le Notoberry. Donc, oui. Hop, t'iras te coucher après. Et puis nous, on se quittera quand la petite dernière ira se pioter. Le monstre mini. Mini le monstre. Voilà. C'est son nom de code. Allez, va te pioter! Miocheter! T'as de la moustache aussi, toi, je le sens. C'est des gosses à moustache. Ce challenge est rempli d'enfants à moustache. Et je mets en pause et je vais enregistrer. Moi, je vais vous quitter là pour l'instant YouTube. Merci d'avoir regardé cette rediffusion remplie de déception. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre Notoberry ou d'autres choses. Allez, ciao!